troisième jour d'audience pour Oscar Pistorius, le champion d'e-sport sud-africain accusé d'avoir tué sa petite amie. Et ce rebondissement dans l'enquête, le chef enquêteur chargé de l'affaire est lui-même accusé de 7 tentatives de meurtre pour des faits remontant à 2009. Dans le cadre de ses fonctions, Hilton Botha avait tiré sur un taxi collectif pour tenter de l'arrêter. C'est ce qu'a dévoilé aujourd'hui la police de Pretoria. Pour autant, Hilton Botha n'aurait pour le moment pas été dessaisi de l'affaire Pistorius. Riva Steenkamp, la petite amie du coureur sud-africain, est morte le 14 février dernier. Mardi, la justice sud-africaine a accusé Oscar Pistorius du meurtre avec préméditation. Le champion paralympique continue de maintenir la thèse de l'accident. Dans une déposition, il a raconté comment il a tué la jeune femme par erreur, la prenant pour un cambrioleur. La plaidoirie de la défense et le réquisitoire de l'accusation doivent avoir lieu aujourd'hui. Oscar Pistorius sera donc dans la journée ou au plus tard demain si le juge accepte sa remise en liberté sous caution.